Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo pour vous montrer l'évolution de la fiche room. Alors, niveau bac, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, rien qui a bougé, juste pour la filtration. Donc, je suis passé à une pompe un peu plus puissante, une 80 litres par heure. Donc, Sensen HJB 80. Donc, pas mal. Franchement, ça envoie pas mal. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est vrai que c'est une pompe qui est un peu surdimensionnée pour le nombre de bacs que j'ai. Mais voilà, c'est une pompe qui est faite pour au cas où, parce que ça va évoluer. Hein. Le but, c'est vraiment avoir 4 bacs qui font à peu près 480 et 6 bacs qui font autour de 150 litres chacun. Plus peut-être ceux que j'ai actuellement, le 150 litres et le 80 litres. Donc pour le moment, pour éviter qu'elle surchauffe, donc j'ai rajouté un exhausteur fait maison, j'ai mis des pierres et tout ça. Comme ça, la pompe, elle évacue tout l'air qu'elle produit. Parce que si la pompe n'évacue pas tout l'air qu'elle produit, elle a tendance à surchauffer et à user les membranes plus rapidement. Donc, comme je ne veux pas, donc, et en plus, ça oxygène les bacs et ça crée du brassage. Donc là, normalement, j'ai commandé un rack chez racktem.fr, c'est un site internet. Donc le rack pour mettre ces deux bacs l'un au-dessus de l'autre. Normalement, si tout va bien, je reçois en fin de semaine ou sinon début de semaine prochaine. Et voilà, et après la pompe, je l'ai mis sur un support. Et les racks vont commencer juste après la pompe, puisque je vais faire une boucle d'air. Donc je vais faire une boucle d'air qui fait au début 1,50 m et après elle descend, elle remonte. Et à partir de là, je prendrai des piquages pour les exhausteurs. Et plus tard, quand j'aurai les deux autres bacs, j'agrandis la boucle et je fais la même chose. Voilà, donc ça évolue doucement. Ce bac-là, la population, c'est bon et complète. J'ai réussi à avoir les femelles qui me manquaient. Et donc là, elles sont en place, mais elles sont encore petites. J'ai fait une commande néotropique. Et j'ai quelques poissons en quarantaine que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc, Nara, pareil, j'ai un Maltarake qui est MCF1 chez néotropique avec sa femelle. Du l'oratus aussi, un couple d'oratus sauvage, et là-dedans j'ai quelques poissons aussi en quarantaine, et après au fur et à mesure je vais les dispatcher dès que les quarantaines se finissent. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.